Nouvelle VOD. Ça nous dit toujours pas où est Milo. On est à la suite de la VOD d'avant où on doit aller à la carte. Voilà, on doit en gros... Bah je sais pas où c'est la carte en fait. Attends, je voulais monter. Merde, je voulais aller de l'autre côté. Bah non, mais ça menait au même endroit. Oh, bah oui, évidemment. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans? Bah pose la question avant de taper comme un fou. Sa blessure à la tête a dû faire de sérieux dégâts, clairement. Oh les rats! C'est toi? Oh genre... Vous les avez tous tués. Pour toi? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Mais de fidèles. Arrêtez de décider à ma place! Mais ouais, mais Sophie, elle a pas de fronde. Du coup, elle peut pas tuer tout le monde en one shot. La fille de l'aventure? Non. C'est elle. Ne dis rien. Ils ont tué Milo, là-bas! Ça y est, ils arrivent, cachez-vous. Mets Hugo à l'abri. Ok. Donc ça va être chaud là. Je change d'arme 5 fois et je tire. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Si. Ah si, moi, si, laissez-le m'aider, c'est gentil. Moi, je suis plutôt pas contre l'idée. Essayez de m'en aller. J'ai pas su. Je pensais pouvoir faire un petit contre, j'ai pas pu. Bon, je m'en doutais un petit peu que y aurait un gros fight à cet endroit-là quand on est arrivé tout à l'heure. Laisse-le m'aider, wesh. Méchante là. Merde. J'arrive pas à courir, putain. Les animations sont tellement ultra giga lentes. Ah, je peux plus. Magas, lui, faut que je crame son truc là. Oh non, il est pas mort, ça dégoûte.
Already? D'accord. Je sais pas quoi faire avec ce connard. Putain! Cette passion quoi. Le temps que je parte, il va me tirer dessus. Non, c'est bon. Chaque fois, je mets tellement de temps. On a trop de munitions et du coup, les raccourcis sont très très chiants. Oui, s'il te plaît. Franchement, je te laisse, hein. Oui, oui, je te laisse m'aider. Putain, mais arrête de dire non, toi, espèce de colasse. Oui. Aidez-moi, putain, j'en peux plus. L'autre, il dit, laisse-moi le faire. Mais fais. Oh, bordel, tu vois bien que je galère. Oh non, c'est le mauvais truc, vas-y. Oh putain. Vous ne arrêterez pas. Pas maintenant. Et en enfer pour ça. Vous faites une grave erreur. Reste calme. Reste concentré. De quoi je me mêle l'autre là? Non. Elle lui dit non. Juste péter un câble en fait. On y est presque. Allez. Pas maintenant. Laissez-nous partir. Ils peuvent rester là. Ils t'écouteront pas. Ils sont trop bêtes. Arrêtez, bon sang. Qu'avez-vous fait? Le rituel pour votre amour. Vous allez tous partir. Calme-toi, Hugo. Sophia, je t'en prie. Reste caché, Hugo. Mais oui! Aide-moi! Ça n'en finit pas! Oui! Montre-leur! Calme-toi! C'est trop dangereux! J'arrive pas à courir! Je vais arriver peut-être un jour. Lui, je sais pas comment faire parce que j'ai plus de carreaux. Arrête de l'en empêcher! Ah, j'ai un carreau là! En faire un des deux. Oh, j'ai un autre carreau là. Et je peux faire les deux à condition de... Non, il va me taper. Ah, c'est sûr. C'est quoi l'arme? Oui. De quoi je me mêle, toi, là, à dire je mange de ligne. Sophia, elle m'aide même pas, là. Oui. Enfin, vas-y, défonce-toi. Avec là, les corps pendus, là, qui tombent à moitié. Merci. Enfin. Attendez que ça. Arrête! Ils sont morts! Tout est en train de s'effondrer, on doit partir! Amicia! Par ici! Vers la mer, vite! Hugo, je veux aider ma sœur, Sophia! Laisse-la crever! C'est un peu comme ça que j'entends, ouais. Hey, cet endroit devait m'aider. Mais ça n'a rien fait. Ma coune, ma tête. Hugo, regarde-moi. Hugo Stiglitz. Hugo, regarde-moi. Sophia. Quoi? Pourquoi tu pleures? C'est un rageux. Est-ce que t'es un rageux? À cause de moi.
Ah, faut pas qu'il joue à LOL. Hein. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Je plaisante, évidemment. Me demandez pas pourquoi, mais je vous aime bien. Et je vous ai croisé au pire moment de votre vie, pas vrai? C'est pas faux. Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant, il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule? Oui, hein. Puis arrête de faire genre t'as une morale. Et quand ils voient tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Il était temps que quelqu'un resserre un peu la vis avec ces gamins. Ça va bien là. Alors, tu vas rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. Ouais. C'est déjà ce qu'ils font de manière générale. Hein. Succès déverrouillé et écran blanc. Chapitre 11, le berceau des siècles. Je vais juste changer dans le titre et mettre que c'est chapitre 11. Comme ça, les gens ils sachent. Des rats. Tu sais, vous êtes aveugle. Ils sont là. Amicia, tous ces gens, c'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. Un peu comme moi. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. C'est pour ça que t'es là. On n'est plus à ça près. Hein. Après avoir éradiqué l'équivalent de plusieurs villes. Parce que vraiment, éradiquer, tiens, c'est le bon terme. Les rats n'y laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Toi, stupide, là. Malin et fort. Je sais pas. Dis-moi vers quel brasier tu veux aller. Je sais pas non plus si on est malin et fort. Hein. Je me sens aucun des deux, mais c'est peut-être perso après. Hein. Crie pas. C'est loin, ça, dit-on. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Ça va s'amoindrir, là. Non, je veux pas faire ça. Attends, le jeu. Attends. Bon, je vais tester, même si je suis pas très... Je suis pas très sûr, hein. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. Ok. Oh, mais j'avais pas vu, j'ai une petite torche. Bien, tu peux lâcher. Bien sûr. Bien sûr. Torche bien à la limite des rats. Succès Gilbert Montagnier. Tu m'étonnes, non mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment que les développeurs pensent à ça. Entre là, ces derniers temps, on a eu beaucoup de jeux qui utilisaient vachement les écrans blancs. Je pense à Plague Tale, je pense à... Au jeu des... Comment ça s'appelle, Christophe Delembe. Il y avait ça dans Destroy Become Human aussi, beaucoup d'écrans blancs. Il faut vraiment qu'ils pensent que nous, les gamers, on est quand même plutôt nocturnes. Hein. Et on a une rétine qui ne supporte pas
Les fortes lumières. Raison pour laquelle nous jouons dans le noir à la nuit. Donc il faudrait vraiment penser à ça. Ce serait gentil. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ici? Attendez, je vais fabriquer... Bon voilà. Des créatures très différentes, tout à fait, des vampires. Ouais voilà, on a un côté un petit peu... Mais je pense que les vampires ont été inspirés des gamers, hein, très honnêtement. Ça me semblerait assez logique. Pour la sobriété énergétique du blanc sur du OLED. C'est économique, c'est bien. Moi, je veux bien même un écran sans aucune lumière pendant un écran de chargement. Ça me dérange pas du tout. Ce qui serait le summum de l'économie, quoi. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez dans la lumière. Sur le jeu, pendant le chargement, il éteint ton écran. 2 secondes. On charge. On revient tout de suite. Ce serait sympa. Ah, je peux enchaîner. On va vous aider. Donc. Ah, je peux enchaîner de fou là. Vous voyez comme j'enchaîne? Oh bah on a raté hein. Je vous hais tous. C'est fini. Partons. Viens, restez près de moi. Voire même pas d'écran de chargement. Ah oui, mais oui, mais là bon, ça s'appelle la vraie vie ça. C'est pas fun. Non, je vais pas recycler. Ah si, ça je vais recycler. Je vais ouvrir en fait, s'il te plaît. Merci. Ce chariot. Oui, ça nous protégera. On va le pousser. Une poutre. Une poutre. Il faut trouver un moyen de la bouger. Ah oui, la poutre, celle qu'il faut trouver le moyen de la bouger. Ah ouais, d'accord, ça y est, je sais, j'ai compris. Mais comment qu'on m'éclaire? Ok, je sais. Compliqué, hein, je vous avoue que c'est compliqué. Tu peux refléter, Sophia? Non? Bah tu reflètes ça alors. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Pas d'écran de chargement, déjà petit et beau. L'écran blanc, on est bon. Les écrans de chargement, très franchement... Arrête maintenant. Ça ne dérange pas forcément, parce que parfois... Ça permet un peu de mettre une pause dans les jeux où il y a pas mal d'action, par exemple. Ou juste après qu'il se passe un truc, juste après que... Voilà, t'as un chapitre mettant un jeu comme ça qui se clôture. Et ben avoir un petit moment où il se passe rien à l'écran. Là t'es là. Waouh. Il y a des écrans de chargement intelligents aussi qui te rappellent des trucs, qui... Je me suis trompée de touche pour courir. Genre qui te rappelle un petit peu, voilà. Ou des temps de chargement assez longs pour pisser. Bah maintenant on a quand même moins. Mais par exemple, tu vois, je suis pas totalement contre. Ce qui est très chiant, c'est les écrans de chargement à chaque fois que tu... Ce qu'il y a de moins en moins, hein, faut le reconnaître. À chaque fois que tu rentres ou que tu sors voilà, de n'importe quel bâtiment dans un jeu un peu type RPG, machin. C'est quand même très chiant. Parce que quand tu visites par exemple un village, que tu cherches un PNJ en particulier, des conneries comme ça... Oh bah c'est très très lourd quoi. Tu passes juste ton temps en écran de chargement et c'est ça nique un peu l'action quoi. Mais voilà, à la fin d'un chapitre, après avoir fait une longue quête, des trucs comme ça, ça va. C'est pas les trucs les plus insup qui soient, je trouve. Sauf quand ils sont blancs, du coup on revient au même problème quoi.
Du coup, je vais faire un truc. Oui, ça nous protégera. Il y a quelque chose sur le sol. Une poutre. Une pute. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger. Voilà. Je vais reprendre la truc ici. On optimise tout. J'aurais même pu... je pourrais même, puisque ça s'éteint pas, faire ça. Faire ça. Parce qu'après, il va falloir courir. Faire ça. Hop. Là, maintenant, réflexion. Tic-tac, touc-chlouc. Oui, bah viens vers moi. Le prisme reçoit peu de lumière ici. Attention. Enfin, je cours. Alors, c'est quoi la touche ? C'est droite, je crois. Tenez-vous prêt. Restons à proximité. Ah bah non, mais Pokémon, tu utilises des temps de chargement pour critiquer Pokémon, c'est vraiment genre... C'est... C'est comme dire un petit peu, Hitler il est pas sympa parce qu'une fois... quand il était petit, il a sonné à la porte et il est parti en courant, tu vois. C'est tellement, tellement le plus petit des misérables problèmes qui soit, les temps de chargement dans Pokémon, que vraiment... Que vraiment, ce n'est même pas un problème en fait. Hein. C'est... Je veux dire, il faudrait que le jeu soit quasi parfait techniquement pour qu'on commence à critiquer le fait que. C'est vrai, il a fait cela. Pour qu'on puisse critiquer le fait que les temps de chargement sont longs. Ils le sont un petit peu, mais. Franchement, voilà, c'est tellement rien par rapport à tout le reste. Ça a tibloudi. Donc, partie de la boucle de gameplay. Non, ça va pas, non. Sophia, ouvre-nous un passage. Je sais pas où on va en fait là. Dans la lumière. En fait, je sais pas où on va. Tu peux lâcher. D'accord. Ah, mais je peux l'utiliser maintenant. Ah, oui, voilà. Allez, Sophia! Qu'est-ce que tu racontes, petit Bloody? Je comprends rien à ces putains de trucs. Ah ouais, voilà. En fait, il faut que je regarde. Oh, putain, j'ai enfin de comprendre. C'est là où je regarde. C'est pas là où je dirige avec le joystick, mais c'est un petit peu là où je dirige avec le joystick quand même. On va là. La carte. Le porteur. C'est lui la clé. Mais tout est si vieux ici. Il est mort il y a longtemps. Il restera forcément quelque chose. Quelque chose pour te sauver. Je m'en fiche de moi. Ne dis pas ça. Tu es tout. Hey, ouais, moi aussi, hein, je m'en fiche de lui. Hein. Tous les deux. Oui, on est en enfer, mais on a une piste. Alors on reste soudés et on va jusqu'au bout. Elle a raison, Hugo. C'est tout ce qui nous reste. Je sais. Et je suis sûre qu'il y aura des survivants. Leur palais, c'est une vraie forteresse. C'est vrai. C'est le devoir du comte d'offrir refuge à son peuple. Oui. Lui, c'est un vrai chevalier. On peut pas soulever l'arche, là, c'est de la fleur. J'imagine que non. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez avec moi. Ah non, attendez, là-bas, j'avais pas vu. Arrête maintenant. Bien. Ok. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. En fait, non, je devrais me dépêcher plutôt. C'est bon. Voilà, c'est plus optique de faire ça. Crie pas, meuf. Hop là, je peux looter un petit peu un truc là ? Non, toujours pas. Bon. Recycler. Allez, je recycle. Là. Ouais, que j'ai entendu tout à fait. Tout à fait. Il a un rire très puissant. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Toujours en arrêt, mon genou. Je dors pas à cause des anti-inflammatoires. Tu dors pas bien à cause des anti-inflammatoires ? Pourquoi ça empêche de dormir ? Je savais pas ça. D'accord. Monte, vite.
Bon courage, j'espère que tu te remettras bien. Monte. Allez, d'accord. Et non, inutile de supposer que les modos sont pas là. La preuve, vous en avez un là. Enfin, quand je pense rien, c'était hein. Juste sous notre nez. Alors, Basilius, où es-tu? Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux? Sous terre. Oui. Et il doit être juste en dessous. La carte. Let's go. Reste là, d'accord? Prête. Pousse. Ah, ça te donne des nausées. Pauvre carte. Pauvre oui, carte. Non mais dommage, on en est à ce point-là. Très vieille. Ouais. J'aime bien, j'aime ouais, beaucoup sa réaction en mode oui non mais c'est bon, là faut peut-être arrêter. Oh, l'écran blanc, arrête ça, le jeu, c'est pas ça. Ça me torture trop les yeux. Oui bon, sans doute. Mais pour quelle raison? Allons voir. Mmh. On y est. Mmh. Viens. Non. Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière et elle disparaît. Descends, ça va aller. Et si je suis descendue sans faire tomber le poteau, impossible de remonter. What? Mais comment? T'es passé à travers la map? How did you do that? Attendez, ça mène quelque part. C'est ici. Je le sens. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Me lâche pas la main. Bien sûr que non. T'inquiète pas. J'ai rechargé la save. Ah merde! Il y en a des galeries, hein. Non, ça va me faire éternuer. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Je veux bien. Tiens. Attendez, il se passe quelque chose. Oui. Oh, pitié, non. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de rat. C'est très bizarre. Oh, ça, je m'y attendais pas. C'est trop stylé. Waouh. C'est quoi ça? Une espèce de temple, on dirait. Oui. Oh. Je m'attendais pas à ça du tout, c'est beaucoup trop glace. Vraiment désolé pour les petits freezes. Hein. J'ai l'impression que c'est moins pire quand je marche, alors je marche. Mais je regarde pas... Je peux y accéder à la grotte, c'était juste bloqué. Ah oui, d'accord. C'est encore le symbole de l'ordre. Et oui. J'ai remarqué, oui. C'est bien ici. Basilius est là. Quelque part. C'est des pierres et kaboum, lumière. C'est pas des pierres, c'est des trucs imprégnés de je sais plus quoi, de salpêtre ou je sais plus quoi. Vraiment stylé. Regardez cette porte. Quel chaos. Que s'est-il passé ici? Ces traces, il y a eu une explosion ici. Ah. C'était un accident? Je dirais, on les a fait sauter. Oui. Explosion accidentelle d'une porte, oui, ça s'appelle explosion auto-immune par bois, trop réchauffée. Il y a une autre explosion ici. La porte est détruite. C'est forcément elle. C'est commun avec avec le pain. De la chapelle. Elle a détruit tout ça. Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. J'aime bien comment elle extrapole tout, elle. Elle s'imagine vraiment une vie, puis à la fin on va découvrir des trucs du style. Ah non non, c'était des pierres de tombe en fait. Ils ont piqué le collier de Basilius, ils sont partis. On verra bien. On va dire... Ces suppositions pourraient être... pas mal si c'était un peu moins... instinctif et un peu plus...
What? Un peu plus supposé en mode, est-ce que ce serait pas machin qui aurait fait ça pour protéger Basilius? C'est ce que j'aurais fait à sa place, machin, tu vois. Là, à chaque fois, elle affirme tout. Elle avait peur pour Basilius. Là, elle affirme tout et vraiment, elle suppose tous ses sentiments à part un constamment et tout. Et en fait, c'est même pas de la supposition parce qu'elle affirme en fait tout le temps. Et je pense que ça pourrait être un petit peu plus dit sous le terme d'insupposition pour que ça ait l'air de supposition pour que ça ait l'air un petit peu moins sorti du fion de l'héroïne quoi. Elle se fait des films, bah c'est vrai qu'on dirait vraiment qu'elle se fait des films. On peut supposer que c'est peut-être vrai, mais vu qu'elle le dit avec tellement de voilà d'un coup, elle comprend toujours exactement ce qui s'est passé. Ces barils. Pour des personnages qu'elle ne connaît absolument pas, bon, voilà quoi. Une arme, ça ? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Je sais pas ce que c'est le feu grégeois en vrai. Que ça peut exploser dans un baril comme celui-là ? Ouais. Essayons. Une forte du doigt. Pour de vrai ? Ah, ces murs ont résisté assez longtemps. Mais. Je m'y connais pour faire. Divination spontanée. Ouais, ça fait ça. Ça fait soit la meuf qui imagine des trucs complètement what the fuck et qui se fait des films, soit la meuf qui est une. Voilà, qui a des divinations. Mais dans les deux cas, ça. Voilà, ça paraît pas. Top. Ah, ça c'est cool. Oh, j'ai pas le gamin à la main. Vite, 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 courons, courons, courons. Allez, venez, tout ira bien. Alors, est-ce que je peux améliorer des trucs en. S'il te plaît, le jeu en. Oh, je peux toujours pas améliorer la balette, mais j'ai pété un putain de câble! Bah, je vais améliorer d'autres trucs, hein, ça me saoule. Hein. Je sais même pas comment j'ai cet autre matériau chiant là. Peut-être que je vais en avoir un là. Je vais voir avant de faire exploser un truc. Ça dégoûte. Je vais en mode sombre, oui. Il rigole. Il rigole de tout faire péter. Ça, c'est la suite. Incroyable. Ouais. Mais avant, je voulais tout bien visiter ici. Parce que, attendez, j'ai fait exploser cette porte là. Du coup, il y a ça que j'ai pas vu. Oh, mais je sais pas par où passer, ça rend dingue. J'ai envie de passer partout pour tout visiter, pour tout looter. Hein. Oui, bah, hein, c'est bon. Tout le monde va bien ? On a d'autres problèmes. Hein. La voie est libre. On y va. Ah, par là qu'il faut que j'aille, d'accord. Du coup, je vais aller là. Regarde, il y a des oiseaux ici ? Oui, des oiseaux des grottes. Ça veut dire. Des oiseaux des grottes. Et il est pas seul non plus. Ça m'a fait rire comme nom de oiseau. Continuons. Les fameux oiseaux et des grottes. Peut-être qu'on le croisera. Si, il n'a pas eu trop peur. Oui. Mais dans les maisons, on appelle ça des oiseaux des caves ou des oiseaux des maisons. Je réessaye, parce que j'ai ôté des trucs. Ça me saoule, je sais pas comment voir ces trucs. Des morts. La garde de l'ordre, sans doute. C'est sourd, c'est pas mon problème. Tu dis quoi ? Elle ne veut pas faire de prisonniers. Ils l'ont poussé là-bas, j'imagine. C'est vrai. Mais bon, ça, si il est sourd, après il parle. Oh, ça m'appelle Elden Ring, ça craint. Oh non, ça m'appelle Elden, ça. Oh non, non. Je sais exactement ce qui va se passer après, des squelettes. Oh non. Ces marques sur la porte, c'est son œuvre. Ça a dû s'effondrer derrière elle. Oh non. M'appelle Elden, ça. Faut que j'y rejoue, faut que je finisse. Ah, ni. Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez. Oh,
Bah oui, il y en a plein. Ça a l'air dangereux. Bah oui, ça va tout exploser. Voyons voir. Elle ouvre la... Il y a des oiseaux des arbres aussi. Eh bien, c'est parti. C'est ouvert, je crois. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aelia. Parce que je suis aussi désespérée qu'elle. Parce que tu ne pardonnes jamais. Parce que tu passes ton temps à lui inventer une vie. Comment est-ce possible? C'est quoi cet endroit? Cette porte là-bas va vite nous le dire. On se croirait dans une usine. On croirait l'entrée d'une usine d'un jeu indé dystopique et post-apocalyptique. On devrait pas être ici. Eh ben, on y est. Voilà. Ouais, c'est précis. Rats. Non, attends, calme-toi. Tout s'allume, il y a tout qui s'allume en... Je savais, cet endroit est mauvais. Attendez. Arrête de couiner, hein. Ces rails, ils ont construit tout ça pour les tenir à l'écart. Quoi? Oui, on peut dégager le passage. Si tu le dis, on commence où? Aucune idée. Ah oui, je peux faire ça. Zéro peuvent être déplacés. Montez sur rail, nourri au feu grégeois. Malin. L'ordre sait comment y faire avec les rats. En vrai, sinon des lanternes avec de l'huile. C'est bien aussi. Tu veux plus simple comme système, mais franchement, ça éclaire longtemps, quoi. Il me semble, hein. Allô, Sam, hein. Je fais n'importe quoi. Je suis mort. Pas vrai, tu es vivant et tu es dans le chat de Twitch. Et tu es un pseudo pour moi. Un pseudo qui s'appelle Samuel, ça. Son cadavre, il écrit. C'est un peu incroyable quand même. Hugo, j'ai peur. C'est normal, mais ça va aller. Je suis à fond, ça. Pourquoi? Je reste comme ça? Ah oui, parce qu'il y a l'autre qui me suit pas. Oh, ça m'énerve. Attends, attendez. Bon, ben voilà, c'est bien. Sophia, tu gênes un peu. Ça y est, imaginons je vais là-bas, on... ça m'avance pas des masses. Oh, Sophia, bouge ton boule là. Celui-là. Bien, tu peux lâcher. Bien. Attends, moi je vais tirer un petit peu. Tu m'aides? Bien sûr. Oui. Allez. Non mais je veux le tirer un petit peu. Oh, vous faites chier, je veux prendre ça moi. Mais les rats, ils vont faire chier. Chiante, hein. Voilà.
Ok, ça, mais t'as rangé quelque chose au final? Dit comme ça, on dirait pas, hein. Ah oui, je vais pouvoir le pousser. Ok, d'accord, j'ai compris. Qui mène droit au pont. Un rail. Pile en plein milieu. Laisse-moi voir. Pas compris, mais ok. Voix, Sophia. Restez avec moi. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Sophia, ouvre-nous un passage. Arrête maintenant. D'accord. Un mec a dit un moment. C'est bon, t'arrêtes de me gueuler, tu là? Ok, voilà, il y a un rail. J'en ai pas un là? Non. Ah oui, il est là-bas. Voilà, on va pousser celui-là. Un petit peu, parce que là, il y a un coffre. Donc déjà, on va arrêter tout de suite. On est en sécurité. Tant qu'on a ce feu. Oui. Tout ce feu grégeois, je comprends maintenant. Le pont est juste après. Mais cette épave bloque le passage. On peut l'enlever? Je sais pas. Une épave. On peut la voir sous un autre angle. Revenons en arrière. Non, moi je vais en avant moi. Aller jusque là, ça dégoûte. Ça dégoûte. D'accord. Ok. Feuille. Allez. Là. C'est un petit peu risqué, mais bon, hein, je fais ce que je peux avec ce que je gère. Voilà. Alors, on recule du coup, elle a dit. Et bah bon courage petit Sam. On peut reculer encore. Hein. Mais si on peut reculer, pourquoi tu veux pas reculer? On peut reculer là, je suis à... Ah. Bah voilà, on a du recul là, c'est bien. M'énerve, je vais pousser plutôt. Donc je vais aller jusque jusqu'à la pierre rouge, si je peux. Même si je comprends pas trop ce que je vais y foutre, j'avoue. Non mais je suis déjà allée, je suis... Ok. Ouais non mais s'il y a des trucs là-bas. Hein.
aide-moi. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Bon, on est tranquille ici pour je ne sais quelle raison. on est bien. C'est une carte de l'endroit. On peut voir les rails et les bras zéro. Pas une carte, un plan. On peut voir les mécanismes. Oh, excuse-nous. Architecte. C'est la cour avec le système de bras zéro. Et ça, c'est quoi? Encore des plans. Ceux-là ont des noms. Danemark, Constantinople. Bah ça c'est une carte ça pour le coup. Et là, on dirait l'Afrique, l'Asie. J'ignorais que l'ordre étendait son influence aussi loin. Ça peut arriver n'importe où. Oh lord. Quoi ? La peste. Allons-y. Non mais toi gamin, t'es pas obligé de me suivre vraiment tout à fait en vrai. Dans la merde, moi. En vrai, je suis descendu là, mais pour remonter, ça va être sympa. Akuna, voilà, je vais monter, il va se faire bouffer, hein. T'as tout lavé, mais t'inquiète, tu vas pas tout salir juste avec une douche. Bon, un peu des trucs, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je peux le reculer tout simplement aussi là. Viens, tu peux lâcher. J'y vais. Jusqu'où est fatigué, ça fait. Je veux pas tirer le bout de chariot là. Ah, je pensais qu'il y avait un truc qui brillait, j'avais pas. Non. Pas mes balles, hein. Même truc appliqué à une assiette. Non, plus jamais je mange dedans. Ouais, non mais après, quand je vois le temps que ça prend de nettoyer une salle de bain, je peux comprendre que sur le moment, quand tu viens de le faire, ça te fasse quand même pas mal chier de tout de suite te faire un bain dedans, quoi, tu vois. De tout de suite faire rebelote de la buée, du savon, tiquanti, hein. Donc, je comprends. Ouais, rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Oui, d'accord. Éclairez-vous. Ce porteur est la réponse à vos questions. La réponse. Tout conduit ici. Aelia nous a menés ici. Ces gens sont morts, ils peuvent plus aider personne. Mais c'est tout ce qu'on a. Merde. Oh merde, j'étais trop vite parce que j'en pouvais plus. Oh non, je vais m'en taper tout ça. Cet autre rail là-bas. Non, c'est bon. Mène au pont. Du coup, comment on se débarrasse de cette satanée épave? Laisse-moi voir. Let me see. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez avec moi. Ça ira comme ça. Bien sûr. Oh mince, mais non, mais quelle couille. Oh, je suis stupide. Désolée, je suis stupide. Ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Bon bah c'est trop long. Restez avec moi. Viens, tu peux lâcher. Viens. Allez, Sophia! Oh,
J'aimerais pouvoir reculer un petit peu ma vue, mais je peux pas. Ah, ça le fait tout seul, trop bien. Ah si, je peux enfin reculer ma vue. Ah, ça le fait pas tout seul, je peux reculer ma vue, je viens de tester un bouton. Ah oui, non, ça l'a fait tout seul, en fait, j'ai rien dit. Continuons d'avancer. Oui. Allez. Encore des gardes de l'ordre. Ah bon ? Je n'arrive pas à croire qu'elle les a affrontés seules. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Elle était engagée corps et âme. Et il était tout pour elle. Et il souffrait, il était en danger. Eh, faut vraiment arrêter d'inventer des vies, hein. Je sens juste la nuit. Comme dans mon rêve. Quand je mourrai. Seigneur, j'espère qu'elle a réussi. Pitié. Donnez-nous une piste. Et je vais un petit peu couper la parole. Ça se fait pas trop, mais c'est pas grave. Oh, pardon. J'ai tapé dans le micro. Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. Aelia. La protectrice du porteur. Bah, elle est pas en forme. On a vraiment fait baver. Mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je veux pas que tu meures. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Hmm ? Je sais ce que ça fait. De se battre seul. Se battre pour ne pas être seul. Mince. Parce que j'appuie sur une touche à côté. J'espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois. Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça ? Je veux qu'on parte. Quoi ? Après tout ce qu'on a fait ? Allez. Tu te sens un peu mieux ? Pas trop. On est tous épuisés, mais on est ensemble, pas vrai? Ouvrons cette porte. Ok. Sophia, tu peux t'en occuper? Avec plaisir. Bon, c'est un début. Ça fait bouger les barres du milieu. Cette chose qui sort du sol, c'est une manivelle. Celui-ci ouvre les barres du haut et du bas. Oh, ça ne tient pas. Évidemment. Ça fait quoi ? Quelque chose sort du mur. Je pense que c'est un frein. Pour maintenir la barre en place. Je peux peut-être vous aider ? Ah bah oui, s'il te plaît. Sophia, je compte sur toi. Non. C'est comme si c'était fait. Merde. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. C'est bon, arrête. D'accord. Mais comment je fais pour lui donner un ordre à lui ? Ah, arrêtez ! J'ai besoin.
besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. Occupe-toi de ça, Hugo. Ah, d'accord. Tu peux arrêter maintenant. C'est comme si c'était fait. Sophia, tu peux t'en occuper? D'accord. Ouais, mais d'accord, mais faire autrement. Arrête, c'est parti. Je peux lui donner l'ordre pendant ce temps? Je fais ça? Vas-y, Hugo. Non! Mais pas Hugo! Elle! Oh, ce que c'est couillon! Oh non, je voulais donner l'ordre à elle qui foutait rien à côté de moi. Et pourquoi je peux pas décider, putain? Bah non, mais arrête. Je peux laisser tomber. Sophia, je compte sur toi. C'est comme si c'était... Arrête de me tirer la main, je teste. Elle peut pas, bah oui, apparemment elle peut pas. Elle peut pas actionner un truc. Alors qu'elle faisait rien, elle était à côté de moi. Je te laisse faire, Hugo. Oui. Tu peux arrêter maintenant. D'accord. J'ai besoin d'un coup de main, Sophie. Non, mais il y avait... Là, en fait, ça m'arrangeait qu'elle le fasse. Je veux dire, c'est... Elle peut gérer les petits trucs. C'est ridicule d'être obligé de faire comme ça. Parce que ça veut dire que ça, il y a que moi ou Hugo qui pouvons le faire. Alors que ça m'aurait arrangé qu'elle le fasse. Donc en soi, c'est débile. Si le jeu nous avait juste laissé sélectionner les personnages, ça aurait peut-être été un petit peu plus simple. C'est bon, arrête. Avec plaisir. Et le problème, c'est que là... D'accord, ça va, ça va bien? What the fuck? Le problème c'est que là je voudrais lui demander de faire ça. Pendant que moi j'actionne ça. Mais je peux pas. Alors pourtant c'était genre ultra gigalogique, mais je peux pas. J'ai peut-être pas besoin de mettre les deux freins. Si, si, j'ai besoin. ok. Du coup, s'il y a que Hugo qui peut faire ça... Et qu'elle veut que faire ça, c'est bon, elle est pas très très vulcute. Oh, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ok. J'ai besoin d'aide pour garder ça ouvert. J'ai besoin de toi, Sophia. D'accord. Tu restes là, Hugo, t'es bien. Il y a un poteau attaché au chariot. Doit y avoir une raison. Ah bah voilà, oui non mais en fait si le jeu était pas débile, j'avais pas besoin de ce chariot en fait. On pouvait très bien s'en sortir à 3 sans aucun problème. Si juste Madame Sophia acceptait de peut-être activer une manivelle qu'elle pouvait faire parce que c'était léger. Et ben... Bah voilà quoi. C'est quoi qui soulève la porte? C'est ça? J'ai pas fait attention. Ouais, ça doit être ça. Votre deux pour tourner le bordel au centre. Évidemment. Tu peux laisser tomber. D'accord. Ah, tu peux laisser tomber, du coup je t'attends. Bah oui. Hein, parce que c'est important que tu me colles à ma main toute con... genre en permanence quoi. C'est important. Sophia, je compte sur toi. C'est comme si c'était fait. En fait j'avais pas besoin de dire d'arrêter, je pensais que ça s'activait que quand quelqu'un le faisait. J'avais pas besoin. Une barre de fête. Passons au reste. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia.
Avec plaisir. Femme Zodiac. Ok, bouge ton cac. Occupe-toi de ça, Hugo. Tout de suite. Je pense que c'est bon. Tu peux arrêter maintenant. D'accord. Ça marche. Oui, cette fois on y est. Allez. Ah, voilà. Oh, c'est quoi cette odeur? Elle ne devrait pas être ouverte. On peut encore la refermer. Non. Tu trouveras Basilius. Mais pourquoi? Ça va être un cadavre? Oh. En vrai, je comprends pas. Divine. J'aime pas du tout ce que je vois là. On y est. Non, non, mais reste là, toi, au pire, si tu veux pas venir. C'est le moment. Moi, je parlais du gamin, moi. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Je sais plus comment on fait. On va faire ça. Effectivement, là, il y a la macula partout. Respire, un hydra. Mais l'air est plus épais. Il est là depuis longtemps. Depuis Basilius, je pense. Ouais, donc vraiment, faut tuer le porteur, hein. Je me sens bizarre. C'est ta tête. Il y a du bruit. On a décollé ça part avec ma fille. Le chat est déjà en train de défoncer les boules, ce petit con. Très accueillant. Waouh, trop stylé. On est dans la Moria. Le sapin, cette date, bah, c'est dans un mois Noël. Les décos, quitte à les mettre, autant les mettre un petit moment, quoi. T'es pas allé faire tes courses depuis longtemps, Sam, pour dire ça, hein. T'as pas vu la télé non plus. T'as pas vu les pubs. T'as pas entendu la radio. Bref, c'est Noël pour tout le monde déjà. Je vois ce que c'était, mais je peux pas trop. Super long, il va être tout crevé. Bah, ça peut être un faux. On va voir ce que c'est en bas, mais j'arrive pas. Ah bon, allez, c'est parti. Avant de tout péter, je voulais quand même regarder, mais bon. Déteste la période de Noël, oui, oui, oui. Ça m'étonne pas. Non, mais il suffit vraiment juste de sortir de chez soi, quoi, en fait. Il y a déjà. Ah, c'est hyper gigato, hein. Mais il y a déjà les. Il y a déjà les chocolats de Noël depuis septembre, hein. Près de chez moi. Dans les supermarchés et tout. Donc en vrai, à côté de ça, le 23 novembre, ça semble être une date raisonnable. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a ? Non mais tu me gênes ! Ça pourrait faire l'affaire. Je passe devant. Je fais les courses une fois ou deux par semaine. T'as pas vu de chocolat dans ton supermarché ? Vraiment ? Depuis genre 2 mois ? T'as... Suis-moi, punaise, ça, j'en vois partout quoi. Et là, les vitrines, elles commencent déjà à être bien décorées de Noël et tout, un peu partout. Bah non. Ah bah c'est une exception, je te garantis. Est-ce que ça va ? Non ! Rien de cassé ? Non ! Juste un peu secoué. Au moins maintenant on sait. C'était pas une bonne idée. Comment tu vas revenir ? Je vais jeter un œil et voir ce que je peux faire. Attendez-moi ! Sois prudente. Oui ! Bon. Comment je vais m'y prendre pour les rejoindre ? Oh mais... C'est Shen. Tes contrepoids. Il soulève les parties du pont. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà, je pense, la chanson de Mariah Carey dans toutes les boutiques, notamment de jouets et tout, c'est sûr. C'est trop sûr. Que ça marche.
contrôle le pont. Ah, maintenant faut que je trouve un moyen de revenir, c'est ça? Ah bon? Très bien. Je vais continuer et voir ce que je peux y faire. On t'attendra. Allez. Il va lui arriver quelque chose, Sophia. Tout va bien se passer. C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connaisse. Oui, bah c'est pratique de dire ça, hein. Toi aussi tu es terrifié? Parce que moi aussi je suis terrifié. Oui. Mais que ça reste entre nous. Merci Sophia. Ouais ouais, merci. Mais tous me démerder tout le temps là. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, je tenais à le dire. J'adore les loots. Elle est terrifiée? Terrifiée? Je me sens encerclée. T'y habitues pas trop. T'es en sécurité. Pour l'instant, je t'avais dit qu'elle y arriverait. Mais vous m'avez pas beaucoup aidé, toi, avec ton prisme, t'aurais pu faire refléter des trucs sur le sol, hein. Mais non, hein, même pas bien. On monte par où maintenant? Ah oui, par là-bas, oui, oui, faut que je parte. Enfin! Enfin. Ça a marché? Oui, on peut traverser jusqu'au bout. Il faut que tu trouves un moyen de revenir maintenant! Il est à mes pieds! T'inquiète pas! Laisse-moi tranquille! Pitié, faites que ce soit facile. Oh, il ne tient qu'à un fil. Seigneur, j'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai un couteau? Oui! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est juste ça, j'ai même pas de loot. Ah si, quand même. J'ai failli chouiner, hein. Bien, mettons-nous au travail. J'ai pas assez de matériaux, j'en ai marre. Ouais. Et ce sera grâce à mes deux pom-pom girls qui m'ont vachement encouragé. Deux pom-pom boys. Écoute-la, elle est sérieuse, aie confiance. Allez, Basilius, donne-nous une piste. Aie confiance en moi. Non. Me déteste. Hé, je suis là. Tu vas bien? On a trouvé plus de feux grégeois. Je t'envoie un baril pour que tu déblayes le passage. On l'a entouré avec une corde pour que tu l'attrapes. Parfait. D'accord, alors je me sers pas de ça tout de suite alors. Je le vois. Mais c'est coincé, non? Ah ouais, d'accord, ok, super, d'accord, j'ai compris, mais j'avais peur de faire exploser, moi, avec ça. Ouais, je suis concentrée, hein. Comme du lait, là.
je voulais faire un gâteau aujourd'hui, j'ai pas fait parce qu'on a fait trop de trucs. Oh, je vais faire demain le gâteau. Chocolat avec crème dedans. Ouais, je pensais à des concentrés sucrés, du coup j'ai pensé à des recettes, du coup j'ai pensé à des gâteaux, du coup j'ai pensé à... Oh, je vais faire un gâteau. Ah, Mitya! Mais j'ai même pas une torche, ça me fait chier. Faut que j'utilise toutes mes compos, ça me fait chier. Je peux pas descendre en face là? Je pensais que je pourrais monter. Ah mince, mince, mince. J'ai mal compris, désolé. Mais oui, il faut que je mette le Shukuyon. Moi, Shukuyon, désolé. Désolé, désolé. Ah ouais, mais j'oublie toujours que moi j'ai un truc pour attirer les rats, moi. Trouve Basilius. Trouve tout ce qu'il y a à trouver et sors d'ici. Et il vivra. Yes, sera, sera. On verra. Je suis une grande fille. Je sais. Une grande fille. J'ai pas eu peur. Ça, je suis super. Et moi, alors, tu crois que j'ai eu peur? Bah oui, un petit peu quand même. Enfin, j'ai un outil. Tu es là. Tu es là. Oh, fais pas genre, hein. T'avais l'air d'en avoir à foutre, hein. Laisse-toi aller. Ah, vous voulez qu'on fasse une pause? Non. Il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. Oui, je moi aussi. Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est... Basilius. Tu es là. Non, tu es le. C'est très lourd. Bon, elle aussi, elle m'énerve un peu, mais lui, il m'énerve plus. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche. La fin du pont. Il est temps de voir où ça mène. Il est beau, ce pont. J'aime bien. On va pas faire demi-tour, si? Non, je vérifie juste par où sortir. Ah, c'est ça, la fin du pont. Pardon, pardon. C'est ce qu'on est venu faire. Bonne douche, à bonne nuit. Enfin, si, si, si on... Voilà, bagne au cas où. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, Amicia. C'est le tombeau du gamin. Enfin, de Basilius, qui n'était peut-être plus un gamin. Quoique si. Ça me dit rien qu'il vaille. Seigneur. À toute, ouais, non, en fait, il va pas se coucher. Il va juste se doucher, mais je lui ai dit bonne nuit, par réflexe. Alors, il est en bas? Oui, au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil convoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre. Et voilà ce qui est arrivé. Et alors? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux pas savoir. Il le faut. Rapide, les douches et moi 10 minutes. C'est bon, hein. Oui, je lui disais qu'après tu allais peut-être te coucher. L'héritage. Je veux pas d'héritage. Je veux être normale. Et pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux. Mais je continue à tout gâcher. Mais c'est tu vrai. Tu ne fais pas exprès. Tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la ville rouge. Oh, si je me lave pas les cheveux, les douches, c'est genre beau. 2 minutes. On se connaît pas. Quasiment le temps de chauffer l'eau, en fait. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Ouais, super long chez moi. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Ma tête, c'est de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête. On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. À quoi ça sert? Si je finis encore partout caché. Arrête, tu dois me faire confiance. Je peux pas. Amicia, Sophia. Petite raison. Je t'en prie, je sais. Non, tu sais pas. Tu sais pas, toi. Amicia. Viens,
Je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Non mais au bout d'un moment, il est en train de détruire le monde. Je m'en fous que ce soit trop pour lui, putain, bordel de cul quoi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. J'arrive pas en fait à être émue parce que le gamin me saoule trop. On se battra. On tiendra bon. Et pour moi, c'est tellement la cause de tout ce qui se passe que j'ai beaucoup de mal à me dire que ça vaut le coup quoi, en fait. Allez. À tort, hein, probablement, mais bon. C'est arrivé apparemment quand même pas mal à cause de lui quoi. Et partout où il est, il y a des rats, donc s'il était mort, il y aurait peut-être beaucoup moins de soucis. Qu'on l'assassine, hein. Qu'on le fasse périr. Est-ce que c'est le porteur? Ils l'ont enchaîné, le pauvre. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de lui, de son pouvoir. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Oui, bah, enfin... Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage. Comme c'est un enfant si dangereux, bordel. Oh, ça m'énerve. C'est le point de départ. De quoi? La peste de Justinien. Ah oui, c'est vraiment... Oui, d'accord. Il était très triste et en colère. Ouais, tu fais... C'est pour ça que la macula nous a... Je vais arrêter d'être négatif. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin... Une fiole... Quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia. Elle a échoué. On dirait des loutres. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Échoué, Sophia. Quand je mourrai, tu ne vas pas mourir. Merde. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Ils n'auraient pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la macula. Et il les a tous condamnés. Il a eu raison. Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots... Il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils n'ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir. Mince! Vite, vite! Bougez! Ils veulent pas que je parte! Ils ne t'en parlent! Bah oui! Oui, bah elle court, Sophia, elle court plus vite, hein, parce qu'elle a pas obligé de tenir la main d'un gamin. Ouh, impressionnant. Oh, Bah j'ai couru tout le temps. J'ai jamais ralenti.
C'est à cause du gamin. J'ai un peu marché, j'ai fait un petit peu. J'ai fait un peu une sac cartoon là. J'ai un peu couru dans le vide avant de tomber. Ça fait. Dites-moi qui sont restés là-dedans. Je crois que ça va. Personne n'est blessé. Hugo ? C'était trop horrible. Oui, je suis désolée que tu aies vu ça. Salut Naruto Uzumaki. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. C'est s'en prendre aux enfants, surtout. Oui. Mais toi, tu vas vivre. C'est ça, le plus important. Non, c'est un combat, un gosse quand même. Alors imagine des familles nombreuses. Oh bah, hein, pour une grande partie d'entre elles. Ils l'ont un peu voulu, quoi. Là, bon, elle a pas voulu avoir un frère. Tu as raison. Il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre. Je dis bien pour la plupart. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Dans les sociétés modernes. Pour qui ça compte vraiment? Qui veulent que tu aies une belle vie? Des amis comme moi? Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Et confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chez nous. Allez, quittons cette île. On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser. Pardon, à chaque fois quand j'entends mer plus loin de deux, j'entends autre chose du coup. Je l'entends pas en plus loin quoi. Une mer de rats là. Il y a des mers de rats partout hein. La vie que nous méritons, tonton. Décidément, c'est de pire en pire. Mais on dirait qu'ils savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais t'es méchant. Il ne s'agit plus uniquement de cette île, Hugo. Nous devons partir ou tout sera condamné. Merci beaucoup, Vermanou, d'avoir changé le titre. Je trouve comment le plaque-t-elle ? Bah, assez fidèle au premier, après j'ai un petit... j'ai deux... Deux trucs qui font que ça me saoule, c'est vraiment le fait de ne jamais pouvoir lâcher la main du gamin, et le gamin en lui-même, j'ai beaucoup beaucoup de mal à... Je le trouve en fait... Je sais pas. Je trouve ça plus chiant qu'avant. Venez, on traverse. Et que dans le premier. Et deuxième problème, c'est que on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de phases contre les soldats, et je trouve que c'est les phases contre les rats qui sont les plus intéressantes. Après, on peut lier les deux, donc ça... Ça va, mais c'est vrai que... Je trouve ça toujours plus intéressant dans Plactel, vu que c'est un jeu avec plein de rats qui tuent tout et tout, bah qu'on affronte surtout les rats, en fait. Plus que plein de gens tout le temps. Êtes-vous blessé ? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment ? Qui ? Bah la comtesse. Votre mère et un garçon. Oh non, mais il faut pas, faut partir. Tu sais très bien que la comtesse elle est là-dedans tu là. Crois qu'elle va nous gronder ? Je ne sais pas. On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Oh ! Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi ? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée, d'accord ? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux.
En fait, je fais oh, parce que j'ai un peu l'impression que Sophia, dans beaucoup de ses répliques, elle indique aux spectateurs ce qu'ils doivent ressentir en regardant les gamins, tu vois. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? La vérité. Et du coup, c'est toujours oh, vous êtes tellement courageux. Oh, oh là là, vous êtes trop fort. Oh là là, machin. Un peu. Et à un moment, elle les a engueulés aussi, du coup, comme le spectateur voudrait les engueuler. Mais du coup, c'est. Voilà, c'est. Parfois, t'as. Ça fait un peu too much, parfois, je trouve. Ouais, c'est ça, un autre défaut, c'est qu'il y a quand même un manque de subtilité, je trouve. Dans les dialogues entre les personnages où vraiment ils peuvent pas s'empêcher d'exprimer toujours de manière très textuelle. Typiquement, Amicia, elle passe son temps à dire, à répéter la même chose avec son frère. J'irai, je ferai tout pour le protéger, machin. Sauf qu'elle le dit tellement, au bout d'un moment, on dit, oui, on a compris. Et elle est dit un peu toujours de la même façon avec les mêmes mots. Et voilà, comme s'il fallait vraiment tout le temps que quelqu'un réaffirme constamment ses positions à tout le monde, tout le temps. Et bon. Ça manque un peu de finesse. Elle me fait trop penser dans le jeu Prince of Persia. Elle fait trop penser à qui dans le jeu Prince of Persia? Moi, elle me fait penser à Esmeralda. Mon piste à New York, c'est les albatros. Bisous, Andy. C'est bon courage. J'espère que la douleur te laissera dormir. Ah, c'est le Delbor, hein. Oula, là les gros lags, je les ai eu aussi. On a des blessés ici, c'est pas beau à voir. Le petit devrait détourner les yeux. Je l'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Mon bras, ça brûle. C'est les gens qui ont été mordus. Oui, ça va bientôt se répandre. C'est pas vrai. C'est fini. Laisse-le partir. Non. Reprends tes esprits. Eh ben, il a suffi qu'on soit là pas très très longtemps, hein, quand même, pour que ça devienne comme ça. Ok, bah bonne nuit, elle. Des bisous. Tes enfants. Mais oui, c'est ta faute, ça. C'est un peu... C'est ça, hein, c'est ça qui me... C'est ça aussi qui rend dingue, c'est que bon, bah j'ai... Il n'y a rien qui me dit que le fait de faire disparaître le gamin définitivement, ça ne permettrait pas de résoudre la situation. C'est un peu l'impression que j'en ai tout le temps, accentué. Et j'ai un peu l'impression que tout est de sa faute, en fait. Et ça m'énerve. Parce que sous prétexte que c'est un gamin, c'est pas grave, apparemment, que ce soit de sa faute. Genre, ils font tellement de dégâts, et à sa sœur qui passe son temps à dire « Tiens, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. » Si, c'est de ta faute. Il l'a pas choisi, mais c'est quand même de sa faute. Maman ! Vous êtes là. Seigneur, vous êtes vivant. Il est méchante. Mère, viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère, tu vas bien ? Ta tête, ça va ? Elle a pris cher. Comment nous avez-vous trouvé ? Vous n'avez pas été très discret. Clairement. Mais dis-moi, c'est bien celle-là ? Votre île ? Celle que tu as vue dans ton rêve ? Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur ? Oui. À l'époque, au 16e siècle, il y avait un enfant. Oh, 16e, oui, d'accord. Nous l'avons retrouvé enchaîné. Je sais pas au combien tu m'en es là. Dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste. Au 6e siècle, c'est... La peste de Justinien. Ah, au 6e, pas 16e. C'était lié à la macula, mais... Désolé, j'ai mal entendu. Ça a commencé ici, avec ce Basilius. Le même empereur. C'était pas de sa faute. Bravo. Il était juste tout seul, il avait peur. Oui, bah il met de la faute, oui. Mère, met de la faute du porteur. D'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Bah oui. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. Il fait trop de dégâts, il aurait fallu le tuer bien plus tôt. S'il avait eu sa protectrice, comme Hugo nous a, nous,
sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Moi, j'y crois zéro. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route, tout était vraiment calme, tout allait bien. Oui, jusqu'à ce que vous arriviez. C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible où l'on pourrait vivre en famille, peut-être que la peste s'arrêterait. J'y crois zéro. En tout cas, ça ne pourrait pas être. Partout où il va, ça va bien avant qu'il arrive, en fait. En effet. Je sais que c'est ce que je veux. Je veux essayer de nous faire comprendre autre chose, mais en vrai, c'est pourtant dans les faits, c'est pourtant ce que je viens de dire qui est vrai. Dans les montagnes. Ça m'énerve. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Oui, parce que quand on est sur les montagnes, on est immense, parce que les montagnes, c'est immense. Maintenant, nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Je peux pas aller avec elle, quand même. Ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Monsieur Cognier. À une lampe. Suivez-moi. Oui. Je vous suis. Je sens que ça pue un peu, mais... Attends-moi. Non. Je pensais... Il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Non, mais je les sens tellement. Ils vont nous faire un sale truc. Il est touché, comme nous tous. D'accord, je le ferai. De toute façon, ils ont compris aussi que le porteur c'est Hugo et du coup ils vont foutre le bordel. Ils veulent l'isoler de sa protectrice, machin, enfin bref. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces. Attendez là. Envoyez des éclaireurs. Si on trouve un moyen. Et bizarre ça cap. Les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire. Bonjour, monsieur Messire. Bien, c'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Désolée, je... Non, non. C'est exactement ça. C'est humain. Ses pieds passent un peu à travers le sol à certains endroits. Malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. L'enfant va vraiment venir? Tous les signes le montrent. Vous voulez dire les rats? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. J'ai mis mon t-shirt de Christmas is coming. T'as un t-shirt Christmas is coming? Il me faudrait, moi, des pulls de Noël, là, pour l'ambiance. Et j'hésite même à essayer de trouver des petits trucs pour mon décor. Mais oui, mais c'était sûr, il va tuer la protectrice parce qu'il veut s'emparer du gamin. J'avais prédit, hein, j'avais dit, hein. Émilie veut l'enfant, Amicia. Bah oui, évidemment. Tu m'étonnes. Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette très jolie scène. Sur votre culte, surtout. Tu as sûrement raison. Car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi ? Émilie, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attente à sa vie. Et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici. Et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement cru. Elle l'a transformé en sur QWERTY une fois. Ah ouais, j'ai jamais fait les loups random sur QWERTY. Accepte ton destin. Non. Sois maudite. Non. Oui, bah, il est pas là, Hugo. Je sais pas par où je dois aller. Je vais aller la random, hein. Mais bon. Le game design est extrêmement bien réussi, du coup on sait toujours où aller. Alors, sauf j'avoue une fois quand j'écoute pas. Mais c'est ma faute.
avec un seul bras, idiot. Bah, il y a des problèmes, hein. Comment je sors d'ici ? Qui êtes-vous ? Où est-elle ? Derrière ce mur ! Bah, bien sûr qu'elle le dit. Reste hors de vue. C'est entre toi et moi, maintenant. Je peux bouger. Ah, pas fou. Finissons-en. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est... Je te vois, Amicia. Tu ne peux pas m'échapper ainsi. Non. Où peux-tu bien être ? Je suis sous des tables. Je suis trop forte. Hey ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Reculez ! Tu n'as pas le droit d'être ici ! Je m'en vais. C'est rigolo ça, par contre, devoir échapper à un adversaire, j'aime beaucoup l'idée. Tu peux fuir, mais tu peux pas te cacher, j'aurais dû me dépêcher. Où est-elle ? Derrière ce mur ! Tais-toi ! Tout le monde dort ! Reste hors de vue ! C'est entre toi et moi. Mince, j'ai couru, j'avais pas besoin de courir, c'est de ma faute. Attends, c'est pas grave, on recommence, Ah franchement, n'en fais pas, j'ai vraiment eu des trucs immondes ! Ah d'accord. Tu aurais pu être pas trop manche. Dans des couleurs... Ou qui aurait pu être pas trop moche dans des couleurs immondes. Ok, je comprends. C'est entre toi et moi, maintenant. Je dois bouger. Oui. J'ai pas bougé. Courir ne sert à rien. Non, mais faut que je m'en rappelle comment courir. J'ai oublié. Où est-elle ? Derrière ce mur ! Tais-toi ! Tout le monde dort ! Allons, finissons-en. Je sais que ça semble injuste. Mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Il me suffisait de tout détruire. Mais elle m'a montré une autre voie. Elle a une lumière en elle. Moi aussi, tu l'as vu. Ouais, j'ai compris. Elle est bandante, quoi. J'avoue que c'est chaud. S'il leur a fait du mal. C'est trop tard. Elle sait qu'il existe désormais. Salaud. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Thank you, Jillo, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. T'étais sur Ragnarok. Ça va, tu t'en sors? Merde, dur. Ah, mince. Je passais par mauvais endroit. Non. Oh non, je passais par mauvais endroit. Il m'a rapporté le méchant compte. Ça ne finit jamais. Ouais, non, mais j'ai ça avec Elden Ring. Bon, Elden Ring, je suis depuis des mois, alors... Non. Oh, j'ai raté la porte. Oh, merde. Je peux repasser au pire, hein. Ah ! Merde ! Garde tellement dans les combats. Bon courage. Il a vraiment pas l'air facile. Bon, je préviens, je suis, je pense, dans les derniers chapitres du jeu. Pas le dernier, mais dans les derniers. Je préfère prévenir s'il y a des gens qui veulent découvrir le jeu. Tester le passage dont elle tuait, là. Pour le moment, ça va, mais je pense qu'il va me gonfler au bout d'un moment. Mais pour le moment, ça va. Je peux passer. Ah non, je pensais que je pouvais passer, je suis dégoûtée. Ah, il y avait la marque... Il y avait la marque de craie blanche, un petit peu, pour indiquer, tiens, tu peux passer par là. J'ai trop cru. Hein. Ma faute. J'aime bien comment ça pète les peaux pour rien. Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ? Tout ça te dépasse ! Rends-toi ! Laisse-nous ton frère ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Je suis assez d'accord en vrai, hein. Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique. Ah ouais, c'est vrai aussi. Tu vas juste disparaître et le monde s'en moquera de toi. Abandonne ! Tu as vécu dans le mensonge trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité ? C'est que tout est corrompu. Non mais le gamin, c'est la source de tous les problèmes. Faut arrêter avec ça. Hein.
retourner en haut. Je sens que je devrais encore me cacher. Il m'a démoli l'épaule pour une porte. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Let's go. De l'autre côté, évidemment. Trop bruyant. Voici la manière forte. Pas le temps. Vite, cours. Je t'entends. La peur te rend négligent. Sème-le, vite. Je finirai bien par te trouver. Non, parce que t'es trop nul. Ah, faut que j'ouvre la porte en vrai, non? Oui, faut que je continue, hein. J'aurais dû continuer, j'étais un peu... Cache-toi. Bah non, faut ouvrir la porte, meuf, hein. J'ai surpris pour vous accroupir. Oui, bah il est pas loin en fait. Cette cachette ne te sauvera pas. Te voilà enfin. Tu es prise au piège. Ou que inutile de te cacher. Tu n'iras nulle part. Je sais te trouver. Tu sais bien que tu n'as nulle part où aller. C'est vrai. J'avoue, c'est chaud. Pas faire genre, c'est chaud. Fais-moi confiance. Je vais la fermer. Ne résiste pas. Aucune issue. Merde. Alicia. Ah non, j'ai fait du bruit. Non, 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 non. Ton instinct de survie est admirable. C'est vrai ça. Beaucoup de choses. Ouais, j'avoue. T'as rien vu du tout. Viens ici, viens. Tu es coincé. Putain. La porte est fermée. Allez, continue. Hugo, mère, Lucas, c'est tout ce qui compte. Tu te caches par là. Bonsoir, Kik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 
Bonne soirée, je reste en l'heure, que ça marche, des bisous. Enfin. Merci. Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est gentil. Il dit ça et en même temps il fait une erreur de débutant. Oh, un combat. Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène! Tu me provoques. Tu crois de toute ton âme que tu peux triompher de moi. C'est le cas. Vous n'aurez jamais mon frère. Oh, une telle impression. Mais... Je sais pas. J'ai pas vu la touche. Je me suis trompé, j'ai pas vu la touche. C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh, je suis. 17 ou 18 chapitres ? Je vais regarder. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Vous parlez trop, pauvre lâche. Merde. Merde, je suis en train de regarder dans ce chapitre. Ah là là, quel nul. Désolé. Ah, j'arrête l'écran blanc. Comment puis-je? Je vois pas. Mais de toute façon, je vais être obligée d'aller aux toilettes. Alors, j'arrête la VOD. Des bisous. Ah putain.